Salut les amis, c'est Suprat3910. On se retrouve sur Ark, on est dans ma nouvelle base. Parce qu'il y a l'admin du serveur qui nous a un tout petit peu pété un fusible. Donc ça m'a arrangé qu'il rase ma base parce qu'il croyait qu'on venait plus sur son serveur. Mais moi je me pointais souvent sur le serveur, donc ça me fait un petit peu chier, mais ça c'est pas grave. Super. Donc voilà un petit peu ma nouvelle base. Je suis passé au tech grâce au code admin. Je n'en donnerai pas le mot de passe pour activer les codes admin en multijoueur sur ce serveur là, parce que voilà, j'ai pas envie que des personnes viennent sur le serveur et se mettent en god mode et viennent raser les bases des autres joueurs. Vous pouvez venir, c'est un serveur privé, mais c'est un serveur qui est ouvert. Donc pour le moment je donne pas le nom du serveur, parce que j'ai demandé à Milly si je peux, au propriétaire du serveur. Et après, quand j'aurai son accord, je vous le donnerai. Mais pas avant. Alors. Juste falloir que je me remette à la pro, à la repro. Bon, c'est un peu petit pour le moment, mais enfin niveau base, parce qu'il y a pas mal de, j'ai pas mal de trucs intéressants. J'ai un générateur d'ailleurs que je vais mettre sur le toit immédiatement, avec une porte, c'est bon, les murs, ça c'est bon. Que je vais mettre ici d'ailleurs, on va faire. Comme ceci. Je sais pas si je passe en deux. Ouais, je vais faire en deux. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, mais enfin bref. C'est logique. Et là, je vais. Oh putain! J'allais me viander. Ça, comme ça, comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Non, pas là. Pas là, pas là, pas là. Pas là, pas là, pas là. Comme ça, tac, 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 tac. Je vais faire comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça fait un petit abri pour entrer là-dedans. Tac, 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 tac. Ça, c'est bon. Ça, là-haut, c'est fait. Ça, c'est pour les repros. Va falloir que je nettoie un peu partout. Virer tous ces cailloux de merde. Et remettre des selles à tous les dinos. Mais ça, on verra ça après. Après, après, après. Donc, Infinite State. Parce que bon, vu que je suis tout seul, je vais pouvoir me balader un petit peu partout. Gram. Ça, je vais me noter ce qu'il me faut pour faire des portes en verre et tout le tralala. Le tralala. Tout ce qui est en verre. Tac, 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 tac.
What the fuck? Ça y est. CNS. Pourquoi je veux un gamme? Je veux absolument mettre un E, je sais pas pourquoi. Je veux mettre un E à l'enfin de engramme. Me dites pas pourquoi, je sais pas. Mais voilà. Alors, on a dit. Du ciment, du cristal, du métal. Oh, ça va, ça gère! Le cristal, il en faut 25. Je me le note comme ça. Parce que ce que je vais faire, en fait, devant, là, j'ai fait une espèce. Je vais faire une verrière, si vous voulez, avec une porte en bas. Il y aura qu'une seule porte d'entrée en bas. On montera l'échelle. Et comme ça, on pourra atterrir ici. Et je sais pas. Non. En haut, je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Et métal, on indique qu'il en fallait 7 après. Plafond. Ah là, il y en faut un peu plus. 10. Trente-cinq. Ah ouais, quand même. Là, il y en faut un peu plus. Et c'est vrai que c'est un peu chiant ce que je fais, mais ciment. Cristal 20, métal 5 et porte. On a dit qu'il fallait la porte, celle la porte, celle la porte. Cime 4, gris 10, métal. On a dit 3. Bon. Ça, on verra ça plus tard. On va juste regarder ce qu'il y a d'intéressant de nouveau. Papa, pistolet, on s'en balance. Le casque, on s'en bat les couilles. Faut le dire. Viseur holographique, ouais. Forge industrielle, je verrai ça après. Labo de chimie, ouais, il y a pas mal de trucs à faire. Cuisine industrielle, ouais, je vais faire ça dans un petit bâtiment plus, voilà, plus rangé. Plafond. Celle de Tapajira Tech. Tech Light. La lampe Tech. Bouclier tech, ouais, l'épée tech, ouais, y a de quoi s'amuser avec l'épée tech, mais voilà quoi, le tech, on va dire que ça coûte un bras, même si t'as les codes admin. Bon, voilà ce que je voulais faire, tac 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 tac, là je vais boucher, là je vais faire je sais pas comment. Mais ce qu'il y a de chiant en fait sur Ark, c'est qu'on peut pas virer la terre qui est en trop. Merci le rollback. C'est ça qu'il y a de dommage sur Ark, c'est qu'on peut pas modifier le terrain.
Ah, tout ce que je voulais pas que ça fasse, ça l'a fait. Bon, c'est pas grave. On va modifier ça. Bon, non, c'est là que je veux que ça spawn. Voilà, ça gère, je bouche les trous comme ça, je vais pas me prendre les chemouilles. Bon après, si vous venez sur ce serveur, c'est pas compliqué. On est là pour s'amuser. Si il y a des mecs qui veulent raid, ça sera pas sur ce serveur-là. Parce que celui qui s'en occupe, il veut pas de raid, donc ce que je vais faire, mais ça je le ferai plus tard quand j'aurai tout fait terminer chez moi. Enfin parce que là je suis obligé de refaire une nouvelle base. Et quand j'aurai terminé ma nouvelle base, je vais faire une arène pour qu'il y ait voilà, des combats. Qu'on se tape tous sur la gueule une bonne fois pour toutes. Et tout le monde sera content. Parce que c'est assez chiant de faire une base. De venir quand le mec est pas là et de tout raser. Donc déjà de 1, c'est pas du tout fair play. 2, c'est pas intelligent. Parce que tu t'es cassé le cul à farmer comme un âne. Et en 30 secondes, il n'y a plus rien. Donc c'est assez minable pour les personnes qui font ça. Après, vous allez me dire, ouais, c'est le jeu. Mais si tu veux raid quelqu'un, t'y vas quand il est là. Qu'il puisse se défendre. C'est la moindre des choses. Enfin, c'est la moindre des choses. Non, c'est voilà. C'est le fair play, quoi. J'aurais dû me mettre un peu plus par là-bas. Au pire, ce que je peux faire, c'est agrandir. Après, je peux agrandir parce que là, j'ai pas mal de place, là, donc voilà, je vais pouvoir agrandir ce que je vais pouvoir faire ce que je veux, quoi. Bon, pour le moment, je suis tout seul parce que voilà, les collègues sont pas là. Et il y en a deux qui ont désinstallé le jeu, donc je me retrouve tout seul et j'ai mon ami qui est pas là pendant un petit moment. Donc je me retrouve tout seul à bosser sur ma base quoi. Donc voilà. Alors, va falloir que je ramène tout ça dans une des. Va falloir que je fasse spawn des sels et machin. La whiff de feu quoi, que j'ai tamé avec les codes admin pour avoir un dino volant au plus vite. J'avais pas le choix parce que Yamili nous a pété un fusiblo. Il a tout défoncé. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est pas. Je lui en veux pas. Il a eu raison, de toute façon, on était. Enfin, il n'y avait plus beaucoup de personnes qui venaient sur le serveur. Il a eu raison parce que on était les uns sur les autres. Et ça faisait blaguer les serveurs. C'est normal. Oui, non, 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 non.
pas tomber en courant d'éléments. Bon, j'ai les codes admin après, mais voilà quoi. C'est un peu chiant. Non, puis là on est tout seul. Enfin là, franchement, je suis tout seul sur le serveur. Donc c'est à peu près calme. Pour les personnes qui en ont. C'est surtout pour les joueurs qui en ont marre. Après, je vais voir avec Millie, je vais lui envoyer un message après avoir fait cette vidéo. C'est surtout pour les joueurs qui en ont vraiment, vraiment marre du multijoueur. De se faire latter la gueule pour un rien. Donc c'est surtout pour ces joueurs-là que je parle. Si vous avez envie d'un serveur tranquille, ou voilà, où c'est pépère, ou... On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se taper sur la gueule pour un rien. Voilà. C'est un serveur privé. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se taper sur la gueule pour un rien ou des trucs comme ça, non. C'est... voilà. C'est le serveur tranquille pour jouer, pour s'amuser. Et voilà. Bon voilà, on a fait le tour de ma petite base. Pour le moment, c'est petit, c'est rigiki. J'ai quand même, j'ai réussi à, quand même à sauver quelques dinos. Ça fait plaisir. D'avoir sauvé quelques dinos. Parce que Milu, il est en train de tous les tuer. Donc ça va falloir que je m'en time un, m'en time un. Mais ça, on verra ça après. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que la base sera finie pour la prochaine vidéo que je vous ferai sur Ark. Là, je voulais juste vous montrer un petit peu ce qui se passait dans ma tête. Et vous montrer, voilà, l'avancement du serveur là où on est. Et vous proposer, pour les personnes qui en ont vraiment marre de jouer en multijoueur, où c'est casse-couille, où voilà, où il y a des emmerdeurs et tout ça. Je vous dis, likez, partagez, abonnez-vous surtout. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, les amis. Ciao, ciao!